pense que c'est à expliquer dans la musique elle-même, parce que la musique qu'on fait et la musique que j'adore, c'est la musique italienne du XVIIe siècle. Et pour moi, c'est une musique qui est complètement actuelle en fait. Ça n'a pas perdu la fraîcheur, l'émotion qu'on découvre dans cette musique. Et pour moi, ça s'explique comme ça que ça touche aussi les gens d'aujourd'hui et les publics qui ne connaissent pas forcément les classiques. Effectivement, notre groupe, ça s'appelle l'arpeggiata. Ça veut dire qu'on utilise des instruments très, très jolis aussi. Les sonorités sont très belles, comme la harpe baroque ou les luths ou les saltérions. Enfin, tous ces mélanges de couleurs qui sont très, très belles en soi. Sur lesquels on rajoute des chanteurs et des voix différentes ou des instruments solistes, et on fait des spectacles aussi avec des danseurs, etc. Vous voyez, donc c'est très varié, très complexe, et à la fois on a un très très grand respect pour la musique du XVIIe siècle et pour les grands maîtres qui ont écrit cette musique, mais à la fois aussi ces compositions laisse une grande liberté à l'artiste d'improviser et de mettre les siens. Ça fait partie aussi de ce répertoire, de cette musique. Et je pense que ça, c'est un élément aussi très important qui a comme effet, quand on est sur scène, on communique directement avec le public. Donc c'est les artistes d'aujourd'hui qui, au travers de cette musique, créent quelque chose d'aujourd'hui avec l'improvisation. On est certainement dans une étape comme ça, mais si vous regardez l'histoire et aussi l'histoire de la musique, en fait, toutes les générations se remettent toujours en question, ça fait partie de l'homme, je pense. Mais le mouvement de la musique baroque, qui maintenant est présent, très présent dans les classiques depuis pas mal des années, je pense que c'était un grand renouvellement de la musique classique en soi. Je pense qu'on peut expliquer ça plutôt en regardant l'activité des orchestres ou les répertoires, les compositions qui sont écrites aujourd'hui. Parce qu'en fait, notre siècle, enfin plutôt les siècles derniers, le 20e siècle, avait une particularité qui était que les compositeurs contemporains ont écrit des choses trop compliquées, trop cérébrales, trop loin de l'harmonie universelle qu'on cherchait justement dans les baroques, dans le XVIIe siècle. Vous voyez que la musique exprime quelque chose de spirituel, que c'est une image de l'univers. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose de très, très profond que cherchaient les compositeurs anciens. Et peut-être, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais je pense. Aujourd'hui, l'homme se prend lui-même trop sérieux. C'est un peu le miroir de notre société aujourd'hui, vous voyez. Je pense que c'est lui le centre de tout. Et ça s'est reflété peut-être un petit peu dans la musique et dans les compositions des compositeurs. Ils ont essayé d'ignorer tout ce qui était pensé et construit avant pour trouver radicalement quelque chose de différent. Pourtant, à côté de ça, la vraie musique actuelle du XXe siècle est le jazz, le pop et toutes les dérivées de cette culture-là. Donc en fait, ce qu'on appelle la musique légère, si vous voulez, même s'il n'est pas du tout légère, enfin certains aspects de cette musique-là. Donc, pour la première fois dans l'histoire de la musique, il y avait un partage entre deux publics. Et en fait, le public classique devenait de plus en plus réduit et élitaire. Et l'autre, aussi par les moyens qui s'est créé, c'est-à-dire les disques, la vidéo, toutes ces choses-là, explosaient en public, en nombre de personnes. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut imaginer une fois, parce que bien sûr, la musique du XVIIe siècle, il y avait les compositeurs de la cour,
C'était élitaire aussi, c'était pas accessible à tout le monde jusqu'à un certain moment où on a fait des maisons d'opéra ouvertes au public, des concerts au public, etc. Donc vous avez eu un partage entre la musique traditionnelle, musique du peuple et musique écrite dans la cour. Mais il y avait un échange quand même. Et puis il n'y avait pas 50 000 choses, il y avait ces deux choses. Et les compositeurs se sont servis beaucoup des thèmes de la musique traditionnelle. Hein. Et c'est pour ça qu'on a l'impression aujourd'hui que cette musique est encore vivante, parce que certains thèmes et certaines harmonies et certains instruments sont vivantes aujourd'hui encore dans la musique traditionnelle. Donc c'est comme les baroques dans la musique traditionnelle de certains pays a survécu. Je parlais notamment de l'Italie du Sud ou de l'Amérique du Sud, où tous les instruments étaient exportés, comme l'harpe à l'époque, en fait, l'harpe chromatique, qui a la même forme aujourd'hui encore. Hein. Enfin, elle n'est pas chromatique, mais elle ressemble complètement aux instruments que vous voyez dans les musées. Alors, effectivement, les grands changements autour des 1600, c'était qu'ils se sont inspirés à un modèle qui était dans leur tête, hein, et ils ont voulu créer quelque chose de radicalement nouveau. À la fin du XVIe siècle, on est arrivé à des complexités de techniques de composition qu'on ne pourrait plus élaborer plus que... Ils étaient déjà à ce moment-là, notamment des contrapoints très complexes, des chœurs à 54 voix, etc. Enfin, des choses comme ça. Donc, il y avait une grande réflexion qui a commencé à peu près 20 ans avant, ou même un peu avant, avec des têtes extrêmement intelligentes, comme Galileo Galilei, Vincenzo Galilei, des gens comme ça, enfin, des gens, des intellectuels, des poètes, des gens de toute éducation. Et donc ils se sont mis ensemble, ils ont créé des académies, des échanges pour discuter justement où on va avec l'art, avec le monde. Ils ont justement voulu créer quelque chose qui est très complexe, c'est-à-dire la poésie déclamée en notes, en paroles, accompagnée par des instruments de l'époque, des préférences eux-mêmes, donc musiciens, chanteurs, acteurs, poètes, tout ça en une personne. Et ils ont voulu aussi créer des spectacles, parce que des spectacles, disons, complexes avec la danse, avec les acteurs, avec même des acrobates, etc. Ça existait depuis un moment, bien sûr. C'était pas né à ce moment-là. Mais la composition, c'est-à-dire de donner la parole au chanteur du début à la fin pour parler d'une histoire, ça c'était nouveau, bien sûr. Ça, c'est les grands changements de l'époque. Pourtant, on peut dire qu'ils se sont inspirés seulement. Hein. Donc, leur image de l'Orphée, de la mythologie du théâtre grec, c'était pas une étude dans les sources pour reconstituer le théâtre grec. Pas du tout. Mais très très loin. Ils se sont inspirés de quelque chose qu'ils ont imaginé, qui n'existait plus depuis très longtemps, évidemment, où il y avait très peu de traces et de sources d'études. Donc c'était purement une création d'unité, une reconstitution d'unité qu'ils avaient. Hein. Et là, bien sûr, ils expriment ça avec les moyens de l'époque, hein, en cherchant d'aller plus loin que les compositeurs de la génération précédente, etc. Aujourd'hui, effectivement, c'est un peu paradoxe, si vous voulez, de dire, ok, eux, pour eux, c'était un modèle grec de l'Antiquité qui était né autour des 1600. Nous avons aujourd'hui cette musique qu'on voudrait faire. Et effectivement, nous, on a une autre approche. Nous, on veut faire de la recherche musicologique et de l'esprit de l'époque, etc. Tout ce qui va autour avec les instruments, les sonorités de l'époque, pour reconstituer quelque chose qui était l'art contemporain de cette époque-là. Alors là,
Effectivement, il y a deux choses à expliquer. Premièrement, on ne va jamais savoir, comme eux, qu'est-ce qui était vraiment la réalité. On a beaucoup plus de matériel et des sources écrites sur ça. Donc, on a les musiques, les partitions que les anciens Grecs ne sont pas laissés. On a des instruments qui sont dans les musées. Donc, dans l'Antiquité, il n'y a pas des instruments. Hein. On doit reconstruire sur les gravures, sur les céramiques ou des choses comme ça, mais on n'a pas des exemples sonores vraiment, des instruments. Pourtant, du XVIIe siècle, on peut aujourd'hui reconstruire certains instruments et essayer d'aller vraiment très proche à la sonorité. Mais on ne va jamais avoir la certitude que notre réalité d'aujourd'hui est vraiment la sonorité de l'époque. Vous pouvez seulement savoir ça, parce que la sonorité ne se transmet pas. Et la musique sur papier ne vit pas. Donc aujourd'hui, on essaie avec les personnes et les artistes d'aujourd'hui de reconstituer quelque chose. Et effectivement, on essaie de se rapprocher le plus possible. Mais ça reste quand même une création d'aujourd'hui pour nous, hein, parce qu'on le fait avec les voix d'aujourd'hui. Alors, commencer par les chanteurs, par exemple, on n'a aucune idée du goût et de la couleur et de la technique, vraiment. Hein. C'est pour ça, nous, on aime bien regarder un peu ailleurs aussi, autour, hein, en dehors de la technique lyrique, parce que la voix humaine, si vous écoutez toutes les musiques qui existent, sur la terre, des musiques traditionnelles et des pays différents, mais il y a des utilisations de la voix humaine qui n'ont rien à voir entre la technique d'un chanteur chinois ou iranien ou sud-américain. Vous voyez, tout ça c'est très complexe et c'est toujours l'homme. Donc, déjà on commence par là. Donc, aujourd'hui, bien sûr, on fait nos créations avec les artistes et les voix et les chanteurs d'aujourd'hui. Et on essaie d'apprendre justement un langage ancien avec les informations qu'on a. Donc, vous avez par exemple les partitions, les instruments à reconstruire, les descriptions, etc. Mais pour moi, c'est à peu près 20% d'informations pour faire 100% de art, non? Le reste, il y a des incertitudes. Il y aurait toujours, non? Et on essaie un petit peu, vous voyez, c'est un petit peu. Enfin, pas autant d'informations, on n'a pas autant d'informations pour vraiment que mon exemple tienne debout, mais je le pense toujours un petit peu comme ça, vous voyez. Si vous étudiez les Grecs anciennes, non? Vous commencez par l'alphabet. Comme si vous avez 11 ans à l'école, vous commencez par ça. Après, c'est la grammaire. Après, petit à petit, vous commencez à faire des traductions de certains textes qui ne sont pas trop complexes. Après, bon, des choses plus philosophiques, plus complexes, non? Donc, vous progressez comme ça, étape par étape, non? Mais si vous voulez vous-même écrire des poèmes en grec ancienne, c'est un très long chemin à faire. D'accord? Et on ne sait pas si on arrivera parce que c'est difficile quand même de reconstruire ces langages qui étaient perdus. Non? Et surtout, vous avez non plus des exemples sonores, donc déjà, prononciation, etc. Il y a peut-être des théories qui se rapprochent, mais certaines pas vraiment dans la réalité, etc. Alors, moi, je les vois un petit peu comme ça avec la musique ancienne. On essaie d'avoir toutes les informations possibles, de faire pas à pas, et chaque génération, les musiciens qui plongent dans cette musique, se peut plonger, se peut mettre sur les travaux de quelqu'un d'autre et progresser un petit peu, non? Et le but, à la fin, c'est effectivement d'être tellement à l'aise avec ce langage ancien que vous pouvez faire des créations dans ce langage. Oui. Mais si on arrive dans une vérité qui était leur vérité, je ne sais pas. Mais on peut peut-être arriver à quelque chose de beau, quand même. Ah, ça, c'est très simple. On cherche dans la musique du XVIIe siècle de développer avec notre travail l'aspect de l'improvisation. Que pour les musiciens du XVIIe siècle, on sait, c'était
le travail quotidien de ces musiciens. Un musicien qui ne savait pas improviser, ce n'était pas un musicien, c'était un amateur. D'accord. Donc on essaie vraiment avec, justement, on a l'avantage que notre génération déjà est à l'aise techniquement avec les instruments, avec les répertoires de l'époque, etc. Donc on peut aujourd'hui se permettre d'aller plus loin et d'improviser parce qu'il y a un certain travail sur le langage déjà fait, même si on n'a pas fini, mais beaucoup de travail est déjà fait. Et ça, c'est les rapports que je cherche, bien sûr, entre les deux langages. C'est pas le même langage musical, mais c'est un peu l'esprit, liberté de la création devant le public, avec sur un thème. Voilà. La tarantella, c'était pour moi effectivement un travail de nettoyage de ces répertoires traditionnels. Parce que il y a tellement des sources qui nous parlent de cette musique, de cette maladie, etc. Assez tôt, et puis surtout au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle. Et vous avez une musique traditionnelle qui existe toujours en Italie. Mais cette musique, contrairement par exemple à la musique traditionnelle sud-américaine où les musiciens préservent une certaine manière de jouer cette musique, ou dans d'autres cultures aussi, il y a plein de cultures de la musique traditionnelle où ça bouge quasiment pas. Hein, entre 1600 et aujourd'hui, hein, ils maintiennent une certaine manière de pratiquer cette musique. Hein. Pourtant, en Italie, ils essaient de faire toujours des créations nouvelles, ils rajoutent des instruments d'aujourd'hui, ils suppriment les instruments anciens, ils modernisent cette musique. Et voilà. Donc en fait, notre travail comme ensemble baroque, c'était justement de dire, ok, j'entends dans cette musique, on ne sait pas quand c'était, et c'était pas écrit, mais quand c'était né, le texte, ni les mélodies, mais on entend avec un oreille d'un musicien du XVIIe siècle et on entend, ah d'accord, ça c'est une basse ostinée et j'ai cette source-là qui m'étonne cette basse ostinée. En fait, c'est la même chose finalement. Donc je peux m'imaginer que c'est né dans cette époque-là. Oui. Certaines sources, bien sûr, sont écrites parce qu'à l'époque, on écrivait justement des exemples musicaux. Voilà, c'est une tarantella napolitana, celle-là vient de là, etc. Donc, on a quelques sources comme ça. Donc, notre travail, c'était vraiment de dire, ok, nous sommes un ensemble baroque. Il y a cette musique qui date du XVIIe siècle, hein, où on a les sources du XVIIe siècle qui dit c'est joué avec les luttes, avec les instruments de l'époque. Non, et on voudrait essayer de reconstituer un petit peu les sonorités pour cette mélodie-là. Non. Donc pour moi, effectivement, c'était un travail de nettoyage de la musique que je sens très ancienne, hein, qui n'est pas écrite. Enfin, la plupart des choses ne sont pas écrites, certaines choses sont notamment écrites. Donc là, c'est plus facile, on peut se passer sur quelque chose. Non. Voilà. Après, effectivement, l'intérêt aussi de ce projet, c'était de faire un métissage entre les artistes vivantes qui portent cette musique en soi, donc les Italiens, les Napolitains qui faisaient partie de ce projet, et qui nous ont montré justement un aspect que moi je ne trouve pas dans la bibliothèque. D'accord. Donc une manière de chanter, une manière de jouer la guitare qui s'est transmise de génération en génération et qui s'est transformée bien sûr aussi, mais qui est vivant. Bon, je pense que les publics découvrent à la fois deux choses. Les publics qui ne connaissaient pas, parce qu'on a pas mal joué ce programme maintenant partout, mais qui ne connaissaient pas trop justement la musique traditionnelle de l'Italie du Sud, découvrent des pièces qui sont vraiment d'une beauté fantastique.
C'est une musique aussi très, très émotionnelle. Donc, même si le mythe de cette maladie reste qu'un mythe, on sent quand même dans cette pièce un pouvoir de la musique qui est là. Et quand le disque est sorti, c'était assez intéressant. Il y avait les réactions du public, des gens qui m'écrivaient ou qui me parlaient. Ils avaient toujours une pièce qui s'écoutait en boucle. Donc, bon, beaucoup aussi toutes les disques, mais il y avait toujours une chose très, très personnelle. Et c'était très différent par personne. Et c'était un peu les descriptions de comment trouver la musique pour se soigner. C'est un peu ça. Il n'y a pas les docteurs qui vous disent il faut une pièce en sol mineur. C'est vraiment la personne qui les sent, qui a une vibration qui passe ou passe pas. Mais la musique a toujours un aspect très physique. Hein, la musique, c'est des vibrations, c'est des ondes qui bouleversent le corps aussi. Hein, c'est pas uniquement l'esprit, c'est une nourriture aussi pour l'esprit et pour la tête. Mais la musique doit aussi arriver à l'âme et au corps, au cœur des hommes. Hein. Sans ça, ça il manque quelque chose. Donc, effectivement, on cherche beaucoup, nous, avec notre travail, de travailler sur cet aspect. Parce que je pense, c'est pour ça qu'il y a quand même un grand nombre de personnes qui trouvent leur satisfaction. Parce que ce n'est pas que l'aspect physique, comme dans la techno, c'est les rythmes, c'est, je ne sais pas, c'est les ventres. Non et ce n'est pas que. La musique très très compliquée, très très intellectuelle, qui nourrissent l'intellect, mais comme il y a toujours une grande recherche dans tout ce qu'on fait, et, il y a beaucoup de têtes. Il n'y a pas que l'aspect rythmique ou sonorité, mais c'est très complexe. Donc à la fois c'est accessible à beaucoup de gens, et on a même des réactions des enfants qui sont enthousiastes ou des jeunes, enfin, et là on sait, ok, il y a quelque chose qui passe.